Bonjour, la vidéo que vous allez voir n'est pas très exacte. Car le film que Michael J présente ne passe pas au cinéma Le Régent de Bastia, vu que le cinéma Le Studio de Bastia leur a piqué le film à la dernière minute. Mais comme Michael J n'a pas envie de supprimer une chouette petite vidéo, que le film a l'air quand même sympa, et que le studio est aussi un chouette cinéma, pas aussi bien que Le Régent, mais bon, il y a un balcon, c'est déjà ça. Il a donc apporté quelques corrections subtiles. Merci de votre compréhension. Salut les Bastiais, vous vous demandez quoi voir cette semaine? Eh bien ça tombe bien vu que le studio on vous propose Dans le noir. Attends une minute. Rallume la lumière, tu veux? Oh, salut Vanessa, ça va? Ouais, aussi, ouais. Ok, messieurs les distributeurs, vous pouvez arrêter de sortir des films d'horreur en été. Vous aviez juste 2 mois à attendre. Dans le noir est une production du nouveau maître de l'horreur, James Wan, et réalisée par le même mec qui a fait la vidéo Facebook dont ce film s'inspire. Non, sérieusement, c'est l'adaptation de ce petit truc que vous avez vu une ou deux fois sur votre fil d'actualité Facebook. Et raconte l'histoire d'une jeune femme et de son petit frère qui découvrent une étrange créature qui ne peut être vue et qui ne peut agir que dans le noir. Sorte de créature à la Doctor Who avec une idée simple mais effrayante. Et tout en tentant de survivre à cette créature, notre héroïne va découvrir le secret derrière cette mystérieuse entité. Concept simple pour un film de fantôme, certes, mais avec une idée parfaite pour ce genre. Reposant sur le jumpscare, certes, mais du bon jumpscare de ce que j'ai vu. Car ce qui surgit peut te tuer en un instant. Après, il est possible que le film tombe dans les clichés du genre et ne soit qu'un film d'horreur bateau. Après tout, c'est le premier long métrage du mec, mais son court métrage montre une bonne maîtrise du suspense et de l'horreur, donc là-dessus, le film a l'air pas mal. Et James Wan a, en effet, produit pas mal de mauvais films, mais là, ça semble être un choix plus personnel. Choisir un petit amateur pour l'aider à développer son potentiel. Pas loin de ce qu'avait fait Peter Jackson avec un certain Neil Blomkamp. Donc ça a l'air moins production juste pour faire de la thune, comme il l'a fait avec les Saw et Annabelle, et plus production d'un projet auquel il croit vraiment. Et vu comment il maîtrise le genre de l'horreur, il y a de quoi lui faire confiance. On peut toujours se retrouver avec un film d'horreur bateau, bien sûr, mais bon, le meilleur moyen de le savoir, c'est encore d'aller voir le film. Le film sort mercredi au cinéma Le Studio de Bastia, et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site dont le lien est dans la description. Oh, et les enfants, calmez-vous quand vous irez voir ce film, hein. Non, parce qu'on vous connaît, hein, toujours à faire n'importe quoi pour gâcher l'expérience d'un film d'horreur, hein. Alors s'il vous plaît, taisez-vous durant le film et contentez-vous de crier quand vous êtes censé crier, ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo en association avec le cinéma Le Régent de Bastia. Si vous voulez voir mes autres vidéos, vous pouvez les retrouver soit sur mon blog, soit sur voxmaker.fr où vous pouvez retrouver mes vidéos les plus récentes ainsi que celles de mes confrères. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez me déposer un don soit sur mon compte Tipeee, lien dans la description, ou sur mon compte yex.tv, aussi dans la description. Bonne journée et surtout bonne séance à tous!